Voilà, alors remplacement du filtre Audi A3 qui se trouve dans la boîte à gants dessous de l'appareil de GPS. Hein. Derrière la première trappe, on trouve la deuxième trappe, celle qui donne accès au filtre. Alors là, dessus, sur le dessus, vous voyez des petits emplacements pour passer le tournevis, ce qui va faire basculer la trappe vers le bas. Et voilà, là on arrive sur le filtre habitacle et comme vous voyez, il est vraiment, vraiment, vraiment sale. Je me demande s'il a été changé une fois dans sa vie. Alors maintenant, on l'accroche avec un tournevis sur le côté là et puis on le tire face à nous, on le fait sortir simplement. Et voilà, vous allez voir la catastrophe, la saleté qui s'est accumulée. Sur ce filtre, vous voyez la flèche, c'est le sens de l'air. Bien aspiré au fond, toutes les impuretés. Alors moi je l'ai nettoyé, je l'ai soufflé, il en avait vraiment besoin, étant donné que je ne l'avais pas encore commandé, j'ai remis le même, bien nettoyé. Alors pour quelques jours, il va marcher comme ça. Je le commande, je le restaure, mais c'est la même chose voilà. Là on pousse la trappe, il y a des petits clips en haut. On la pousse, ça fait un petit cliquetis, clac, elle se ferme, puis c'est terminé. Ensuite, on met la deuxième trappe, et voilà, l'affaire est faite. Alors, quand je recevrai le mien commandé, je le poserai, mais voilà, vous avez déjà un aperçu de comment faire. Merci, à la prochaine.